cette confiance dans un autre être humain qui pourtant, voilà, c'est un obstacle qui a l'air insurmontable, on se dit on va pas y arriver, il n'y a aucune raison qu'elle puisse effectivement s'ouvrir à moi, qu'elle puisse apprendre ses mots, qu'elle puisse rentrer dans ce jeu-là, dans cette communication-là, et ben si on y croit quand même, on croit dans la capacité d'un autre être humain, même si au départ tout le monde vous dit que non et que effectivement tous les gens pensaient qu'elle irait à l'asile et que voilà. Et ben de se dire si, et ça c'est aussi Jean-Pierre qui m'a parlé du scénario comme ça, et j'adore quand il en parle comme ça. Ce film, c'est je pense que tu es capable et je le vois. Et même si tout le monde ne le voit pas, moi je le vois. Et cette confiance, voilà, est dans l'éducation aussi. On peut faire des miracles, et qui n'en sont pas d'ailleurs. C'est d'abord la langue qui m'a fascinée. Ma surprise, en fait, quand on m'a dit que dès le deuxième cours en langue des signes, j'allais être toute seule avec mon prof, Alexei, qui vient de Russie, qui est sourd, qui vient de s'installer à Paris depuis 5 ans, et voilà, je savais que j'allais me retrouver. Alors j'ai pris mes blocs de papier, mes stylos, je me suis dit comment je peux faire pour faire en sorte que cette heure et demie qui m'a tout à coup paru très longue se passe bien. Et voilà, ça a été tellement facile, tellement simple. L'autre chose qui m'a fascinée aussi, c'est le fait que ça soit justement un monde. Un monde un peu... Alors ça, c'est à la fois une fascination pour moi et aussi peut-être une tristesse, de voir à quel point c'est séparé, en fait, le monde des sourds et le monde des entendants. Et c'est pour ça que je trouve ce film formidable, parce que il est pas du tout, il tient pas du tout compte de cette séparation. Au contraire, il est vraiment dans un désir de partage. Et ma surprise en découvrant l'histoire des sourds, en découvrant la vie quotidienne des sourds, voilà à quel point, voilà, c'est un autre monde. Et je me suis dit, mais c'est fou que finalement on n'est pas plus nous les entendants. Le désir d'apprendre cette langue, de communiquer avec eux, la curiosité. On ne sait rien de leur histoire, c'est quand même dingue. Enfin moi en tout cas, je ne sais pas, peut-être il y a beaucoup de gens qui sont plus érudits que moi et qui ont eu plus de curiosité par rapport à eux, mais moi je ne savais rien sur leur langue. Je ne savais pas qu'elle avait été interdite autant d'années, je ne savais pas que ça avait été aussi violent à leur attacher les mains à l'école parce qu'il fallait absolument qu'ils oralisent. Donc, et l'idée absurde de penser que s'ils signaient, ben, ils oraliseraient pas. Pourquoi pas les deux ? Enfin, on est toutes ces choses, voilà, et tant d'autres que ce film a permis de découvrir.